Ah ouais, bah, c'est le match qu'on souhaitait faire une grosse entame. Alors on les est allés chercher très haut, on a récupéré beaucoup de ballons très haut dans leur camp, on a très bien utilisé le ballon et je pense qu'on aurait pu avoir 2-0 à la mi-temps. Et derrière, le pénalty nous fait du bien aussi parce que tu leur mets un coup derrière la tête et après on a bien géré, on a essayé de mener des contres. Ils ont eu trois occasions, je crois, de face à face. Et puis l'arrêt qu'il fait sur la frappe. Je sais pas qui c'est Camano qui frappe ou Camano. Il a fait un très bel arrêt. Mais on savait qu'on avait un bon gardien. Dégagez une espèce de maîtrise assez incroyable là, depuis quelques matchs. On n'a jamais senti Bordeaux vous mettre en danger. C'est la troisième victoire consécutive, 19 points. Non, mais il faut rester modéré, il faut rester pied sur terre. Par contre, il faut qu'on continue à progresser, parce qu'on peut progresser tout le temps. Voilà, c'est ce que l'équipe fait. Notre qualité de collective dans le jeu, elle est bien meilleure qu'au début de saison. Et on avait des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et voilà, c'est les deux de devant, Damien, qui serait, comme je t'ai dit, toujours, il se révèle au milieu de terrain. Devant, les deux, c'est des guerriers. Ils sont généreux, ils sont bons dans ce qu'ils font. Voilà, et ça joue juste. En plus, ce soir, il nous manquait Mollet aussi. Et Junior, il a fait un très bon match aussi. Voilà, c'est bien. Tout le monde se tire la bourre. Tout le monde tire le groupe vers le haut. Et il faut garder. Tous les matchs, il faut tout remettre à zéro. Parce que tous les matchs sont compliqués pour. À part Paris qui domine le sujet de A à Z. Toutes les autres équipes, ça se tient à peu de choses. Voilà, il faut. C'est l'état d'esprit que tu mets collectivement et puis les ingrédients que tu mets dans le jeu qui font que tu te crées des occasions ou pas. Aujourd'hui, on a des joueurs de. Les joueurs qu'on a pris, on ne s'est pas trompé. Ils sont très très bons dans ce qu'on attendait d'eux. Et ceux qui étaient là l'an dernier, voilà, ils répondent présent encore. Ils sont. Vito, il a 41 ans, il court comme un gamin. C'est bien. On est content de l'attitude, je suis très content de l'attitude de l'équipe et de la progression qu'on y met dans le jeu. On annonçait ce match comme un test, Michel, Bordeaux qui est resté sur 5 matchs sans défaite, qui avait battu Lille, qui aussi. Ouais, mais nous, on avait. Nous 8 aussi. Ouais. Est-ce que ça confirme aussi que vous pouvez définitivement regarder vers le haut du classement? Ben, ce soir, on est dans les 3 premiers. Mais après, comme je t'ai dit, tout est fragile. Il faut. Tous les week-ends, il faut mettre ce qu'il faut pour gagner. Il faut être efficace offensivement, dans l'agressivité, il faut être efficace. Voilà. Ce qu'on n'a pas su faire à Guingamp, on a les situations pour le gagner, on ne l'a pas gagné. Et on a failli se faire punir. À Caen, pareil. Voilà, on ramène des nuls, mais ça aurait pu être des victoires. Tu parlais des recrues, notamment à la Borde. Parce que le grand chantier de l'intersaison, c'était bonifier devant, donner plus de justesse, de qualité. Et c'est décrochage, c'est déplacement, c'est remise. On sent vraiment que c'était un peu chez nos marins. Ouais, je dis, il manquait Mollet, il y a Junior Sambia qui a été très bon aussi ce soir. Andy qui nous donne de la profondeur. Voilà, c'est. Non, tout le monde est au diapason, tout le monde a envie que l'équipe soit bonne. Et c'est aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a des résultats, c'est parce que tout le monde se bat comme un chien sur le terrain et tout le monde a envie d'amener ses qualités techniques dans le collectif, parce que la progression, elle est là. C'est quand on a une meilleure maîtrise, on sort mieux les ballons, on maîtrise mieux le jeu. Voilà, on arrive à avoir des temps forts, des temps faibles, et dans les temps faibles, on les maîtrise bien aussi. Je reviens un peu sur le trio des trois devant. Tu avais choisi de mettre plutôt Delors en pointe avec Sambia et Laborde un peu plus sur les ailes, c'est ça? Pardon? Tu avais choisi de mettre Sambia et Laborde sur les ailes. Vous avez qu'à analyser comme vous voulez. Je ne vais pas vous dire comment on a joué. On l'a vu. Mais ça fait deux trois matchs qu'on joue comme ça. Mollet, pendant un temps, je veux plus en soutien des deux autres. Ouais, mais ça fait 2-3 matchs qu'on joue comme ça. En quoi ça diffère d'avant? Non, mais c'est proposer des problèmes à l'adversaire, c'est tout. Il faut toujours chercher à poser des problèmes à l'adversaire. L'adversaire essaie de nous poser des problèmes, à nous de. Nous, on joue à notre système, on s'adapte
par rapport à, aux joueurs que j'ai. On décide de jouer à 3 derrière dans l'axe et joueurs de couloir. Et nous, 3 de devant, et ils se répartissent leur rôle comme il faut. C'est tout positif là ce soir, parce qu'en plus tu as de la profondeur de banc, donc tu as un mollet et en plus tu découvres aussi. Yongo qui n'était pas là aussi, qui était suspendu, tous les deux. Ouais, il y a Doli qui j'espère qu'il va revenir au mois de novembre là. Voilà, c'est bien. Skulicic, ça fait le match qu'il avait fait à Caen, il avait été très bon. Toutes les rentrées qu'il fait, elles sont bonnes. Voilà. Au début de saison, quand il est arrivé, il était cramé physiquement, il n'était pas prêt à répéter les efforts. Aujourd'hui, le travail qu'il a fourni commence à payer. Montpellier ne peut plus se cacher, comment tu vas lutter un peu contre l'euphorie Il n'y a pas à avoir un peu l'euphorie, il faut rester épais sur terre. Et c'est notre rôle aux dirigeants, à moi, à mon staff. Voilà, il faut qu'on soit serein et qu'on ait envie d'être meilleur tous les matchs. Voilà, on a la moitié du maintien. Maintenant, au niveau des points, ouais, il faut rester tranquille. Tu